Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Alexis, juste là, et Loïc, qui est là. Et on va essayer de se faire une pêche du carnassier, les perches, on espère que les grosses perches vont se réveiller. En tout cas, il y a des petites perches à faire, il y a des brochets à faire, on va essayer de s'amuser. Allez, c'est parti. Poisson. Enfin, j'ai réussi à avoir une petite pour foutre un vif. Il y a des perchettes en surface là. Poisson. Départ au vif. Correct. Putain, ça a lâché. Là, par contre, c'est départ. Ça sent la perche. Ouais, Masta. Ah là, parpaing. Hop là. C'est bon, j'ai ma grosse. La 40, elle est là. Non, ça va. Par contre, il me faut une pince. On a une belle perche. C'est pas toi qui l'as. Ah ouais. Attends. Allez. Oh non, putain. Il y a un brochet qui m'a pris ma perche. Oh, Masta perche qui était derrière. Putain. Il y a une grosse perche qui a chopé la petite perche que je ramenais. C'est blindé de perches où je suis. J'ai eu des touches au vif.
Oh putain, il y a les perches qui chassent en surface là. Loupé. Poisson. Oh putain, vif. Départ au vif. C'est broché, c'est correct. Ah, oh, décroché. Oh, je sens que j'ai mon vif. Elle a gobé un poisson. Je vais pas réussir à lui sortir. Hein. Regardez comment elle est vorace. Regardez ça, voilà ce qu'elle a bouffé. Il fait la moitié de sa taille, le gardon qu'elle a bouffé. Ah oui. Elles sont complètement sur les gardons. Regarde avec quoi je vais pêcher du coup. J'ai récupéré son poisson qu'elle avait dans le bide. C'est gros. Ouais. Ah oui, ça c'est le plus gros. C'est beaucoup plus gros ça. Ouais, je pense. Ouais. Au coup de tête, ça sent la grosse perche. Après, je suis sur une canne légère, donc ça combat énormément. Ah non, je crois que c'est un bec. C'est un bec. Oui. C'est un joli, ouais. Genre joli épuisette. Ouais, ça maille. Je vais me démerder. J'espère juste qu'il va pas me couper. Non, il est picara. Hop là. Sur le vif. Ouais, sur le petit vif à la con que j'ai récupéré dans la perche. Ah oui. Bon, ouais, je sais pas s'il est maillé, mais il est pas dégueu. Ici. C'est cette boule qu'il avait, Adrien. Allez, perche. Ouais. Ça maille. Peut-être pas, non. Pas sûr que ça m'aille. Non, ça va pas mailler.
Elle m'a mis un bordel. Non, ça m'aille pas. Bon ben je repasse au leurre, hein. Départ au vif, moi aussi. Oh, je peux pas tout faire. Oh, moi, c'est solide. Pas moi, ma GoPro. Eh, merde. Je pensais que ça filmait pas. Ouais, deux gros fiches tous les deux. Oh, il est pas mal, ouais, pas 4. Ah, quoique il doit pas être loin des 80, moi. Oh, il m'a emmêlé dans toutes mes lignes. C'est le bordel, moi aussi. C'est un bordel là. Help! T'inquiète. Moi? Ça m'étonnerait. On va faire une photo. On va faire une photo. Tu viens nous faire une photo doublée? Mais bon, il a pas fini le brochet là. Allez, j'essaie de le foutre là-dedans, mais. Il est dedans. Bon les gens, Alexis qui fait une belle perche et moi un brochet de 80 en même temps. Si ça c'est pas beau, c'est un bordel de fil moi. Je vais démêler tout ça et on va prendre une belle photo. Ah, la douche, merci, la perche. Ah, elle pique. Je vais essayer un peu au Big Bait, je pense. Le problème, c'est qu'il me faudrait un truc plus plombé. Ouais, un peu de big bait. La ligature, elle va ou pas? Ouais. Elle va relativement bien, je trouve. Perche, pas content. Oh! Stop touche! Enfoiré! Une perte de tension, mec! Waouh! D'un coup mon fil, boum, détendu. Regarde le triple sorti là. Ah oui, c'est sûr.
Bah, troisième lancer touche quoi. Ah, moi c'est parti. C'est bon, tu crois? Allez, c'est parti. C'est joli. Petit brochet, je pense. Décroché. C'était un petit brochet, je l'ai vu. Enfin, il maillait, mais... C'était pas très gros. Elle est raide ma perche, elle a des trucs, les traces de chicot qu'elle a dessus. Elle est ouverte. Ding, 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 ding. Elle est bien excitée ma perche aussi. Oh, c'était derrière. Au big bait. Derrière toi. Regarde, tu l'as vu? Ouais. Là aussi. Big bait en plein eau, Alexis qui pêche et touche. Ça a pas l'air très gros aussi. Yes. Big bag. Mesure sur la canne vite fait tant que tu l'as la main comme ça. Je sais pas si je la mesure. T'as même une boîte. Ouais. Avec le leurre, tu montes le leurre. Faut que ça arrête. Moi je peux le nom. Il y a une première boîte, tu sais, à la descente. J'ai continué à m'occuper là. Paf. J'avais pris des boîtes, mais... C'était à cette saison. Hein. Cette saison, hein, ah, loupé à la descente. Besoin en big bait, ça a rien de pêcher sur les bordures parce que tu fais beaucoup de bruit. Que là, tu descends, hop, et après tu ramènes. Au big bait, c'est des longues distances. Pas dégueu. Pas maillé, mais pas dégueu. Allez, c'est reparti pour ça, c'est bon. Ah, ça se défend, hein. Ça va, il part.